Hello, hello et bienvenue dans Vlog en Guadeloupe. Précédemment dans Vlog en Guadeloupe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est réveillé à 5h ce matin. Safia, elle m'a transmis son décalage horaire. Ouais. En plus, je me suis réveillée même avant toi. Bah ouais, moi j'étais là en train de me dire j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, mais j'ai la flemme d'y aller. Et Caro, elle est allée. Je dis bon, bah c'est bon, elle est réveillée aussi. Ce matin, on va tourner les swaps. Ouais. Donc là, on est en train de se préparer. On va tourner les swaps et il faut qu'on se figure aussi de la voiture. Voilà, si on les garde, si on les regarde pas, on a On est en suspens de la voiture. Ouais. Ah oui, parce que Super U ça ouvre à 8h30. Ouais, il est encore hyper tôt, il est encore genre 6h là. Non, il est 7h. 7h. Il est 7h. Bon, on va se préparer, on va tourner, on va aller manger. Parce qu'il fait faim. Et on mettra le vlog en ligne aussi. Vlog à Londres. Ah oui. Part 2. Yes. Ça y est, on vient de se. Ah non, toi t'es encore en pige. Je suis encore en pige et tu me filmes pas parce que je vais me dépoiler. Dépoile-toi. On a changé d'apparence. Enfin, j'ai changé d'apparence. Quelle heure il est 7h44. Mais on va tourner. Vous voyez rien. Je crois que j'ai jamais tourné aussi tôt de ma vie. Ouais, non, moi non. Alors ça y est, on s'apprête à tourner le swap. Sois bon, sois bon. Sois fille, sois bon, sois bon. Et là, sois elle va bon, regarder. Ça filme pas là-bas, hein, c'est juste là. Et donc voilà le petit. On a de la chance parce que du coup, le rendu est super avec la lumière de dehors. Ouais. Puis on dirait qu'il fait hyper rangé dans la chambre alors que c'est un peu Bagdad. Alors que c'est même beaucoup. Ouais. Donc c'est parti, si jamais vous voulez voir le swap, vous pouvez cliquer. J'adore avoir la flemme. J'adore avoir la flemme. Voilà parti. On va à Super U, il est 9h. On a tourné les deux swaps. Hyper productif. Ouais. Donc on va. Donc on se réveille à 5h tous les matins, ça veut dire. Oui, oui, t'as raison. Et il fait moyen beau, ça va, c'est pas mal, pas pire quoi. Et donc on va aller chercher à manger parce que... Bonjour. Bonjour. On va aller chercher à manger parce que là, il commence sérieusement à faire très très faim. Ouais, on n'est plus capable. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. T'essaies de savoir où c'est le truc? Ouais. Quoi savoir, mais je suis pas sûre sur Super U. C'est Super U pour moi ou G1? Non, Super U. D'accord. Bon, on va au plus proche. Ou sinon, on lui demande à lui. Ouais. C'est notre petit hôtel, ville de jour. Très très joli. Bon, finalement, on est. On est à Leader Price. Ça sera bien, bien mieux. Parce que c'était moins loin et. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est bien. On lui demande un supermarché, il nous a dit beaucoup de la ville alors que. Ouais, mais peut-être qu'il pensait qu'on. Attends. Non, y a pas de mal, allez-y. Et donc, c'était juste à côté, enfin, c'était pas loin de l'hôtel, donc c'est pratique. Mm. On va acheter à manger, mais j'ai vraiment faim. On va acheter pour. Faut qu'on achète de l'eau aussi. Oui, parce qu'on a un litre comme à la ça, maison. Même si on arrive chez les gens, tu sais, on a de l'eau des. Ouais. On en prend combien? Bah, 6. 6, pas... 6 litres direct. Ouais. Ouais. Ça va? Ou on le prend à la fin sinon? Ouais. Pour pas s'infliger. Ah, du dentifrice. On n'a pas de dentifrice. Blancheur. Moi je préfère fraîcheur. Fraîcheur. On a déjà les dents blanches, non? Ah ouais, frais. Donc voilà, frais. Ça y est, on a fait nos courses. On a pris des bananes, des de gâteaux, de l'eau, des gâteaux, un dentifrice. Et là, on retourne à l'hôtel ranger nos affaires. Ouais. Manger et ranger nos affaires, quoi qu'il est 9h30. Bon, on peut manger dehors là sur la petite terrasse, tu sais, devant ou peut-être au niveau de la piscine, c'est joli. Ah oui, parce qu'il y a la piscine. Oh, on l'a même pas vu la piscine. Ce serait l'occasion, non? Et une abonnée, elle nous a bien reconnu qu'on était au Caribé à hôtel. Ouais. On a posté un selfie où on voyait juste les murs. Elle a dit: je suis sûre que vous êtes au Caribé à hôtel à Gosier. Trop fort quoi. Il va s'envoler. On a un nouveau copain. Il est beau, hein? Oh, il a le cou rouge. Marron. Un rouge gorge.
C'est un rouge gorge, un marron gorge. Ouais. Tu tends ça? Non. Je crois que nous avons un petit souci. Mais moi j'ai un peu de la place hein. Si t'as besoin. Ah, je prends un petit stick mou avec moi? Ouais. On est en train de finir de faire nos valises. On va. On va aller descendre tout ça à la voiture, checker encore un peu les mails, mettre en ligne le blog. Et après, on va à nouveau à l'aéroport, mais on s'en va pas. On vous raconte après. C'est bon, t'as pu rendre les clés? Ouais, j'ai envie de faire ça. Vas-y, non? Il y a des toilettes ici, ouais. Il y en avait vers la piscine, je crois. Bon, c'est bon, on a fait le kiki sur la tête, l'une et l'autre, on n'en veut plus. Là, je vais mettre le vlog en ligne, le dernier, le deuxième vlog à Londres. Et on galère un peu de la wifi, mais bon, tout va bien. Donc tout va bien se passer. Nous voilà repartis sur la route en marche arrière parce qu'on s'est dit que c'était plus sympa. Là, il y a la place. Il fait si chaud. Donc tu l'as dit qu'on allait à l'aéroport? Ouais. On va à l'aéroport parce qu'en fait hier on est arrivé et comme on n'avait jamais loué de voiture ici, on savait pas du tout les tarifs et tout, on s'était même pas renseigné. Et du coup on a loué n'importe quelle voiture et là en fait on s'est renseigné et on a vu qu'il y avait un low cost de location de voiture qui s'appelle Thrifty. On va dire Thrifty. Mais on va l'écrire aussi, mignon. Surtout quand vous allez pouvoir voir. Ouais. On va leur demander comment ça s'appelle. Du coup, on va ramener cette voiture-là qu'on avait louée jusqu'à 16h. Et on va en prendre une autre. Voilà. Et après, on va aller à la playa. How'd you fit all that in them jeans? Du coup là on est en train de récupérer 9 nouvelles voitures et en fait c'est un trop bon plan parce que c'est genre 17 euros par jour. Enfin le truc que vous pouvez pas trouver, enfin vous pouvez pas trouver moins cher, c'est juste fou. Et donc chez Thrifty et on va la garder jusqu'à notre départ. Donc on va être tranquille toute la semaine avec notre voiture. Je sais pas encore laquelle on va avoir, on verra, mais c'est trop bien. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Bon, faut qu'on remplisse, mais le coffre il est grand en plus. Il est beaucoup plus grand que l'autre. Il est plus grand que dans l'autre qu'on avait tout à l'heure, donc. En plus, les valises elles sont plus grandes. Et quand on a des valises qui pèsent 15 tonnes. Dans ça. Tu vas voir mes muscles. J'ai pas de muscles. Ça c'est pas à vous, non? Non, ça c'est pas à nous. Allez, je comprends pas. On est arrivé toute notre vie. C'est parti. Enrique Iglesias. Nous voilà repartis. Ouais. Et les femmes de là-bas, elles étaient vraiment trop gentilles. C'était super. Donc on a une nouvelle voiture, moins chère. Plus grande avec un coffre qui rentre tous les coffres. Enfin, ouais. Un coffre. Rien dire, mais bon. Toutes les valises rentrent dans le coffre. Donc là, on est au top pour toute la semaine. Ouais. Parce qu'en fait, on aurait bien fait du stop, mais on nous a dit que c'était assez dangereux ici. Donc, quitte à louer une voiture, autant louer la moins chère. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un sacré bon plan. Donc, si vous arrivez dans un pays, faites comme nous, c'est-à-dire renseignez-vous avant. Ne louez pas directement la première voiture pour tout votre séjour. Hein, parce qu'on aurait pu arriver. L'autre, ça aurait été deux fois plus cher en fait. Ouais, c'était deux là, fois plus cher et pourtant c'était là où il y avait le plus de monde au comptoir. Ouais. Donc elle a pas compris quoi. Bon, tu sais, les gens ils ont peut-être un budget vraiment important. Ouais. Mais nous on s'en fiche aussi. Nous on s'en fiche, on veut le moins cher et le plus pratique. Donc voilà, on l'appellera de Thrifty. Notre voiture s'appelle Thrifty. Thrifty. Et donc là, direction la playa de Sainte-Anne pour aller manger. Ouais, bref. Moi j'ai envie d'une salade grecque, mais bon. Ah ouais, moi aussi. Mais t'en trouveras pas.
pas ici. Non. Ça, faut bien te les mettre dans le crâne. Ah, bah regarde, elle est juste là, la plage. La playa, la playa. C'est pas un resto ch'ti, Ariane. Ch'ti de plaisir à partager, du plaisir à partager. C'est pour la bière. C'est la bière ch'ti. Il y a tellement de populace qui passe. Boston style. Après la micra, là, j'y vais. Y'a personne là? Non, mais faut que tu me dises s'il y a personne. Merde, mais non, je peux pas poser mon style. Là, y'a un an. Tu vois, lui, il est un peu devant toi. Non, mais lui, dans son côté, y'a personne. C'est, dans c'est bon. J'impose, y'a personne. J'impose! Oh yeah! Là, il y a plein de restos. On dirait que les gens, ils mangent jamais, non? Dans le prochain épisode de Vlog en Guadeloupe.